Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer de l'XP superchargé tous les jours. Alors, pour avoir l'XP superchargé tous les jours, il va falloir laisser un défi rapide à 14 000 XP. Il va falloir que vous ne le complétez pas. Par exemple, moi j'ai mes 5 défis, j'ai fait 4 défis, mais j'ai laissé le défi chevaucher un requin à butin pour que demain j'aille de l'XP superchargé. Alors, j'ai laissé ce défi-là spécifiquement parce qu'en fait, chevaucher un requin à butin, je le fais quasi jamais. Donc ce que je vous conseille, c'est de regarder les 5 défis que vous avez et vous ne complétez pas le défi que vous êtes sûr que vous n'allez pas le faire par accident. Là, je suis sûr que moi, par accident, je ne chevaucherai pas un requin à butin. Par contre, si j'aurais laissé le défi qui est d'infliger 500 de dégâts, bah là, c'est sûr que je l'aurais terminé sans faire exprès. Alors ce que je pense aussi, c'est que si vous ne faites aucun des défis, eh ben, vous aurez plus d'XP surchargé le lendemain. Donc là, si je laisse un défi en suspens, eh ben, je suis sûr que demain, j'aurai un petit peu d'XP superchargé. Et si je fais aucun défi, je pense que j'aurai encore plus d'XP superchargé. Et je pense que ça a toujours fonctionné comme ça. Parce que même pendant la saison 2, il y avait des gens, ils avaient d'XP superchargé. D'autres, ils n'en avaient pas. Et eh ben, je pense que c'est par rapport aux défis journaliers. Donc, si vous laissez votre défi journalier en suspens, ben, c'est sûr, vous aurez tout le temps de l'XP superchargé. Donc, voilà pour la petite information et la petite astuce pour essayer d'avoir un maximum d'XP superchargé. Maintenant, c'est à vous de gérer les bails. Et voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mike et ciao. Peace.